Vous ne savez pas tout sur son métier, en tout cas pas encore. Voici le journal d'une comédienne par Florian. Eh oui, alors aujourd'hui, je viens mettre en lumière les avant-premières. Ah. Alors, Jamie, qu'est-ce qu'une avant-première? Eh bien, Fred, selon Wikipédia, une avant-première, c'est un événement promotionnel consistant à projeter un film ou jouer une pièce de théâtre avant la première, c'est-à-dire avant le début officiel de l'exploitation. Mon cul, ouais. Une avant-première, c'est cocktail party et réseautage, ma gueule. Voilà. Alors, c'est effectivement très souvent stressant, et après, on se détend avec le champ. Mais une avant-première, donc, c'est tout le stress post-première, parce qu'en règle générale, ce sont pas tes proches qui te veulent du bien qui sont là. Non, c'est le réseau professionnel qui a gravité ou non autour du film. Et donc, on le sait, ce ne sont pas tes amis. C'est le moment critique du « Oh putain, est-ce que je suis coupée au montage ou pas ?» Et ça amène 18 milliards de questions juste avant d'y aller, genre « Mais j'emmène qui en plus un ?» Parce que souvent, on a un plus un aux avant-premières. Mon agent pour qu'il voit que je bosse hein, et qu'il gratte un peu ce qu'il a gratté. Mon mari en tant que meilleur soutien du monde au cas où je fasse une petite crise d'angoisse. Ma nièce, fan de la réalisatrice qui va me foutre la honte. Ou ma pote qui s'emballèque et qui va bouffer tout le buffet. Non, vraiment, rien que ce soit là, déjà, il me fait du mal, il est compliqué. Et en fait, il dépend vraiment de l'AVP, hein, comme on dit chez nous. Exactement comme l'autre question, mais quelle tenue est-ce que je me fous sur le cul, moi? Si je suis trop habillée en mode méga bombe, avec mes talons, et que je manque de me péter la cheville à chaque marche mal éclairée dans le cinéma, est-ce que je vais pas faire un peu de tâche? Ou au contraire, si je viens trop casual, alors qu'il y a un photocall de bâtard, et que tout le monde est au max, et que le champ c'est du ruinard, est-ce que je vais pas faire tâche? Voilà, donc je vous jure, c'est un art, hein, et plus j'avance, et plus je me dis, je voulais juste jouer la comédie, moi. Comment je me retrouve là? Oui. Là, à Pantoufle Explosive, à vous raconter mes traumas de tapis rouge. D'ailleurs, j'en ai un. J'ai quand même un conseil pour vous, qui vient du cul, qui vient du cœur, qui est tout aussi classe et raffiné que moi. Avant une avant-première, n'allez pas bouffer mexicain. Voilà, conseil d'amis et petits potes. C'est sûrement le seul conseil que je vous donnerai, parce que je pourrais vous dire de rester un peu mystérieux, discret, souriant, sans trop faire de vagues. Et c'est même pas sûr que ça paye. J'ai essayé, hein. J'étais là, dans mon petit coin, essayer de rester calme et discrète. Déjà, c'était difficile. Et puis, ça n'a absolument rien donné. Je pourrais aussi vous dire de faire du bruit, de vous faire remarquer, de rigoler fort. Mais je suis pas sûre que vous ne soyez pas taxé de beauf par mes propres soins. En vrai, je vous dirais bien, venez comme vous êtes. Mais bon, c'est déjà pris comme slogan. Et puis, l'avant-première, c'est avant la première. Ingénieux, hein. Donc, en vrai, relax, le stress, ce sera demain. Et puis, ça va, c'est pas non plus le film de ton rep. Ou alors, si ça l'est, déstress, parce que du coup, tu auras du taf toute ta vie et les gens viendront pas te cracher dessus. Bah non, pas fait, ils veulent bosser aussi. Enfin bon, voilà, les avant-premières, c'est aussi le moment où tu te retrouves avec toute l'équipe du projet. Big up les techos, vous êtes la mif. On n'oublie pas non plus le HMC, c'est le sang de la veine, comme on dit les jeunes. Et on profite de ce moment pour se découvrir sur grand écran, filmer son nom au générique et l'envoyer à son père afin de recevoir un petit « fier de toi, bisous, papa ». Voilà, ça a aussi des bons côtés d'exercer le plus beau métier du monde. Merci ouais, Florian. Et tu sais ce qu'il dirait, Père Blaise, sur ta chronique? C'est de la merde.